Qu'est-ce que vous avez fait au bon Vas-y, Dieu? trouve la réponse. Bon, nous sommes des gens de qualité, je suppose, c'est pour ça. Donc, donc certainement, ça a dû jouer. Je pense que ça a dû jouer. Voilà. Non, je ne sais pas, moi. Un bon scénario, des bons dialogues, une belle histoire, une histoire contemporaine, une histoire dans laquelle tout le monde se retrouve. La preuve, c'est que les gens vont le voir 2-3 fois de suite. Donc ça, voilà, c'est touchant et ça fait du bien. Oui, parce que les succès, ça vous connaît. Et quand vous avez lu le scénario, tout de suite, vous vous êtes dit, ça y est, ça c'est un carton. Non, c'est impossible de se dire que c'est un carton. Ouais. Moi, quand j'ai lu le scénario, j'ai dit, je suis contente, je vais tourner un clavier. Voilà. Bon, ça, voilà, premier truc que j'ai dit. Surtout dit, voilà, c'est bien écrit, ça va être bien, on va se régaler à tourner ensemble. Et puis après, on espère que, on pense que ça va être bien. Mais après, quand les gens s'emparent d'un film, moi, je suis absolument jamais blasé. Je suis toujours ahuri quand même du fait que les gens aient tellement envie de venir aussi nombreux revoir le film. Le film est jubilatoire. C'est vrai qu'on se marre tout le temps et que donc c'est plaisant de le voir. Moi, je l'ai vu en salle avec du monde. Oui. C'est vrai que je comprends. Moi, je serais spectateur. J'y retournerai probablement pour m'amuser avec. Mais on ne sait jamais avant. Sinon, il y aurait des martingales, des recettes, ce qui n'existe pas. Je crois que les producteurs ont décidé de revoir le cachet des acteurs à la hausse après ce succès. C'est plutôt une bonne nouvelle. Ils ont été gentils. Voilà, ils ont été très gentils avec nous. C'est vrai. Voilà. Un bon intéressement, beaucoup de du succès encore à venir. Ah, d'ailleurs, il pleut. Vous me disiez, c'est pas mal parce que ça va peut-être encourager encore plus les... Quand il pleut, c'est pas plaisant. Quand on est à Cannes, on préférait qu'il... Mais c'est bon pour le cinéma, donc on se rassure là-dessus. Il faut toujours être positif. Mais bien sûr, il faut être positif. C'est comme dans le film, il y a des soucis, mais on reste positif. Voilà, et puis si on monte les marches avec le rimmel qui coule et les cheveux collés sur le visage, on fera un buzz. Je voudrais éviter de glisser, simplement, pour que les gens ne se disent pas, le type est dans un état lamentable, il glisse. Vous avez prévu le kawaii, comment ça va se passer? Moi, j'ai des moufles, de toute manière, donc je me débrouille avec ça. Hein. Oui, moi, j'ai les snowboots aussi, tout va bien. Vous étiez venu déjà à Cannes présenter un film, ça vous est déjà arrivé? Moi, j'ai jamais eu de film en compétition. Il m'est arrivé de venir fêter les films. Je suis venu à Cannes pour fêter les visiteurs. Je suis venu à Cannes l'année dernière pour fêter les profs. Et là, cette année, pour le bon Dieu. Donc, je ne fais que fêter. Mais je ne suis jamais en compétition.